Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon retour à mes abonnés et bienvenue si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne. Moi, c'est Joyce. Sur ma chaîne, je partage ma vie de maman dans le ménage, la motivation, voilà, les conseils, les astuces, les recettes, mes routines. En tout cas, si c'est quelque chose qui vous intéresse, considérez de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Très contente de vous reprendre aujourd'hui pour une vidéo motivation ménage. Je voulais prendre vraiment, je voulais faire toute la maison, mais on va voir jusqu'où mon énergie va m'amener. J'ai commencé ça dans les après-midi et la petite, elle était avec moi. Vous allez la voir beaucoup vraiment dans cette vidéo. Elle sera au dos. Donc, quand elle dort, je la mets dans son berceau. Elle se réveille, je la mets au dos. On continue. Je voulais juste voir toute la maison en ordre. Alors, si cette vidéo vous plaît, aimez, commentez, partagez. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, si mon contenu vous intéresse, abonnez-vous et surtout activez la cloche notification. Vraiment, rassurez-vous que la cloche est activée. Ces derniers temps, YouTube est un peu slow. Du coup, si votre cloche n'est pas activée, c'est difficile que vous puissiez voir mes vidéos. Donc, activez la cloche de notification, ça va beaucoup m'aider. Ça fait plaisir quand tu prends la peine de filmer la vidéo et que les gens regardent. Donc, ça encourage à continuer. Je vous laisse en musique et on évolue avec ma chambre. Quand on va finir ma chambre, on va faire ma douche et puis on va monter pour faire les chambres à l'étage. Puis, on va redescendre pour les ménageries. Donc, c'est une vidéo qui a beaucoup de motivation. Je suis sûre que vous serez motivé au travers de celle-ci. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous êtes en train de faire actuellement quand vous regardez cette vidéo. Est-ce que c'est juste pour trouver de la motivation ou vous nettoyez ensemble avec moi? Douche, généralement je nettoie avec Fabuloso seulement et la poudre Ajax et puis mon éponge Magic Eraser, mais aujourd'hui j'ai voulu essayer un nouveau produit que je vais incorporer dans mon ménage parce que j'ai aimé. C'est le Pink Stuff Spray. Je vais commencer à utiliser ça pour la douche. J'ai beaucoup aimé, c'est la première fois d'essayer, mais ma douche brille. Donc ma douche brille et ça continue de briller. J'ai beaucoup aimé.
ma douche terminée, vous voyez comment ça brille et c'est tout blanc, en commençant par le mur là en céramique, plus le vitre, tout brillé. J'ai beaucoup aimé le spray Pink Stuff. J'ai pas voulu utiliser la pâte parce que sur Amazon, j'ai vu des reviews que ça pouvait laisser des traces. Donc ma douche est bien propre, j'ai pas voulu prendre les risques. Voilà pourquoi j'ai pris le spray pour la douche. Mais pour les choses comme sink, évier, voilà, qui n'est pas en céramique, je peux utiliser la pâte. Donc là, il me restait qu'à mettre mes essuies et puis l'autre essuie des pieds, j'ai mis au-dessus parce que les sols n'étaient pas encore faits. Quand le robot va finir la chambre, ça va venir dans la douche. Et puis, quand ça aura terminé, je vais remettre le petit tapis de la douche au sol. Donc là, je vais faire aussi les miroirs. Je vais faire les deux éviers, essuyer le top là. Et puis, on va passer aux toilettes. Le spray que j'ai utilisé pour les miroirs, c'est le vinaigre blanc mélangé à l'eau. Pas les Pink Stuff. Les Pink Stuff, c'est juste pour l'évier. Et puis, les robinets là, comme c'est en stainless. Le Pink Stuff a fait une très bonne affaire. Pour la cuvette de ma chambre, j'ai nettoyé l'intérieur avec la poudre Ajax. J'ai essuyé ensuite avec les lingettes désinfectants. Et puis, dans le réservoir d'eau, je vais mettre le liquide Fabuloso pour parfumer et désinfecter. Thank you.
là, on se retrouve dans la chambre des enfants. Normalement, c'est la chambre des filles, mais mon garçon, il a déjà sa chambre, mais il revient tout le temps ici. Parfois, je vais le coucher dans sa chambre et au milieu de la nuit, il se réveille, il vient dormir ici avec sa sœur. Donc, la transition continue à être faite. Je vais rapidement faire le lit, le rideau, ils avaient tiré, ça c'était tombé. Donc, j'ai mis ça dans leur garde-robe. Je pourrais installer ça un autre jour. J'étais fatiguée, je n'avais pas la force de réinstaller le rideau. Je vais rapidement faire leur lit. Le sol était propre. Depuis que j'ai bougé les jouets vers le garage, ça va beaucoup plus mieux. Donc, les ménages de tous les jours, c'est juste le lit. Et puis, le robot fait le sol, c'est bon. Même chose pour la chambre des guéris, il fallait juste arranger le lit. En tout cas, son closet n'est pas encore organisé. Leur toilette aussi avait besoin d'un coup de chiffon, tellement avec les enfants, il y a toujours les pipis, soit qui touchent l'extérieur là. Donc, quand j'ai fait les ménages, je prends les soins de faire leur cuvette, au besoin, leur baignoire et leurs éviers. Donc, je vais passer rapidement la brosse à l'intérieur avec la poudre Ajax. J'avais spray aussi Pink Stuff et puis je vais essuyer avec des lingettes. Puis, je vais nettoyer l'intérieur du baignoire avec la poudre Ajax et puis Pink Stuff aussi rapidement.
je tiens vraiment à dire merci à toutes les personnes qui me soutiennent tout le temps avec leurs commentaires. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de vous lire, surtout d'entendre des feedbacks de vidéos, motivation, comme ça vous encourage, le recette. Quand vous découvrez, vous m'écrivez, non, j'ai essayé ta recette et tout. Ça me fait énormément plaisir. Il y a aussi cette catégorie des personnes qui disent que quand ils voient la motivation ménage, ça les stresse parce qu'ils ne sont peut-être pas en mesure de faire les ménages comme moi. Moi, je me dis toujours, il faut adapter vos ménages à vos conditions de vie. Il faut adapter votre organisation à vos réalités. Peut-être ma réalité n'est pas la vôtre. Peut-être vous êtes censé travailler toute la semaine en dehors de la maison. Moi, je me dis, j'ai la grâce d'être à la maison avec mes enfants. C'est peut-être pour ça que j'ai beaucoup d'énergie pour les ménages. Mais pour les mamans qui travaillent full time dehors, ce n'est pas du tout facile de prendre une journée comme ça, rester debout et parfois avec le bébé, monter, descendre. Donc, adaptez juste vos ménages, votre organisation à votre mode de vie et à vos réalités qui sont propres à vous. En tout cas, ces vidéos, c'est vraiment dans le but d'encourager les gens à faire les ménages, mais en adaptant cela à votre propre réalité, en fait. Là, j'ai plié les essuies des enfants et j'ai mis dans leur douche parce que je venais de laver ça et ce n'était pas plié, voilà. Je vais déposer les essuies dans la douche et puis je vais continuer avec les miroirs, les éviers de la douche des enfants et puis on va continuer tout doucement. Waouh, c'est tellement satisfaisant les résultats. En tout cas, si vous n'avez pas encore essayé Pink Staff Spray, essayez. Je vais également tester la pâte toujours dans cette vidéo et puis vous allez voir comment ça nettoie super bien. J'ai longtemps attendu. Il y avait des gens qui me disaient tu dois acheter Pink Staff. Je me disais moi j'aime nettoyer à moins cher. Donc quand j'ai mon baking soda à gogo à 1$ et ça me permet juste de bien nettoyer, mais je suis vraiment tombée amoureuse de ce produit et je vous le recommande vivement. Essayez Pink Staff pour votre douche, pour vos éviers et puis et même à la cuisine, l'évier de la cuisine, ça m'a fait vraiment un bon ménage. C'est donc terminé ici pour les chambres et douches des enfants. Je vais passer à la chambre des visiteurs et à la douche.
le baignoire était très propre. Il fallait juste mettre le rideau, voilà, remplacer les essuies propres et puis flasher la cuvette. Comme ça prend parfois des poussières, comme on n'utilise pas ça. Et parfois, il y a la poussière qui s'accumule dans l'eau là. Je vais juste flasher, passer la brosse rapidement et puis faire l'évier. La chaise de l'étage n'était pas très très sale. Parfois, il faut juste passer l'aspirateur pour prendre les petites poussières et tout. Mais j'avais la flemme de descendre, aller chercher ça en bas pour venir faire la chaise. Donc, j'ai poussé juste avec les oreillers là et puis je les ai remis en place. Je vais essuyer les poussières et puis voilà, le robot va m'aider pour le sol avant de descendre. La vidéo d'aujourd'hui en collaboration avec Proscenic, je vais déballer et tester leur wash vac F20. C'est le nettoyeur de sol qui fait l'aspirateur et passe la serpillière en même temps. Ça auto-nettoie le rouleau brosse et puis ça sèche. Ça sèche rapidement et efficacement sans laisser les odeurs. Et une chose que j'ai beaucoup aimé, c'est leur réservoir d'eau. Il y a deux réservoirs, un pour l'eau sale et un pour l'eau propre, avec une capacité de 1 litre chacun. La batterie dure 45 minutes en mode intelligent. L'emballage était top, c'était venu dans deux cartons. J'avais déjà enlevé le premier avant de filmer. Et puis à l'intérieur, il y avait l'aspirateur en question,
Voilà, il y avait une batterie, la brosse pour nettoyer les réservoirs, le rouleau brosse à rechange, le filtre à rechange et leur solution nettoyant. Voilà, il y avait la station à charge et puis l'adaptateur. Et puis leur batterie peut se charger directement sur la station à charge ou connectée à l'aspirateur. Donc, pour pouvoir le tester, j'avais mis sur le sol le lait, les fromages et même le ketchup. Et puis, on va voir ce que ça va faire comme boulot. L'aspirateur détecte intelligemment la surface que vous nettoyez et ajuste le mode qu'il faut. J'ai beaucoup aimé leur mode Max. C'est vraiment puissant et ça demande moins d'efforts pour nettoyer. Ça nettoie efficacement et vous n'avez juste qu'à tenir l'aspirateur. Ça vous tire en fait. C'est vraiment puissant. Et puis, c'est uniquement pour les sols durs. C'est pas pour les tapis. Donc, vous pouvez utiliser ça sur le ciment, carreaux céramiques, parquet en bois, marbre. Et ça fait très bien le travail. Quand vous terminez de nettoyer, vous remettez sur la station à charge. Ça auto-nettoie la serpillière et ça sèche également grâce à leur LED. Donc, le séparateur des déchets marche super bien. Vous pouvez voir clairement que l'eau est en bas et puis la saleté reste au-dessus, ce qui facilite vraiment le nettoyage du réservoir. Vous n'avez qu'à jeter de l'eau et prendre les saletés, mettre dans la poubelle à sec. J'ai vraiment aimé et je vous recommande vivement. Ça, c'est la lumière qui permet de sécher la serpillière après le nettoyage. C'était très facile à assembler et vraiment fonctionnel. Donc, je vais vous laisser tous les détails de ces nettoyeurs de flore ou nettoyeurs de sol dans la description. Merci à Procénic d'avoir sponsorisé la vidéo d'aujourd'hui. Alors, j'ai remarqué que ces derniers temps, il fait frais. Alors, quand on est au salon, on a besoin des blanquettes. Donc, j'avais gardé les blanquettes du salon parce que c'était l'été, on n'en avait vraiment pas besoin. Alors, je vais les remettre dans mon salon parce qu'on en a besoin. Il fait un peu frais le soir, pas la journée. La journée, il fait très chaud comme si c'était l'été. Et c'est le soir qui fait frais. Donc, les couvertures du salon vont faire
leur entrée officiellement. Moi, j'ai hâte de l'hiver. Quand j'ai dit à mon mari que j'ai juste besoin que l'hiver commence, il dit, c'est parce que tu restes à la maison, parce que tu sors pas chaque matin, voilà pourquoi tu cherches l'hiver. Moi, je lui ai dit, ah, chaque position a ses avantages, hein. C'est ça le bien de travailler à la maison. Hein. Donc, même si vous êtes maman à la maison, maman au foyer, cherchez un business, cherchez une activité, c'est très, très important. Moi, je suis femme au foyer, mais indépendante financièrement. Donc, voilà. Dans la déco, j'ai fait une petite modification. J'ai pris le vase qui était à la cuisine et les plateaux, c'est parti sur ma table basse. Et ce qui était sur la table basse, c'est parti à la cuisine. Donc, quand les décorations font 2, 3 semaines, j'ai juste envie de les switcher. Comme ça fait la différence. Quand je termine de passer mon aspirateur sans fil Proscenic sur le tapis, ça c'est différent hein, de ce que j'utilise pour le sol dur. Je vais rapidement faire la vaisselle, essuyer les countertops de la cuisine et puis nettoyer l'évier. Désormais de nettoyer mon évier de la cuisine avec la pâte Pink Staff parce que ça demande pas beaucoup d'efforts pour bien nettoyer. Donc avec le baking soda vous avez besoin de mettre un peu de la pression, mais avec le Pink Staff vous nettoyez juste, vous frottez juste avec l'éponge et le résultat est juste trop top. Vous allez le voir avec moi. Thank you.
laisser donc par cette mélodie apaisante que je vais vous dire au revoir pour aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir regardé la vidéo. Je compte vous retrouver dans ma prochaine avec le même plaisir et la même motivation. Que Dieu vous bénisse.